Ok. Il se charge de prendre un petit vaisseau pour trouver Jumptown. Alors, ouais, qui est notre leader pour Jumptown? Voilà, ça par contre, ouais, il nous faut notre guide. Moi, je C'est peux le faire. Jouron, lui. Moi, je peux le faire en prenant un petit vaisseau, mais Putain, je il peux nous a pas. fermé la porte au nez, l'autre. Ok, bah, Devrox, moi, je te propose qu'on te suit. Et tu peux même partir devant si tu veux, parce qu'on aura ton marqueur, de toute façon, qu'on pourra toujours suivre. Voilà. Alors, attends. Juste voir qu'est-ce que je prends comme vaisseau. Sinon, je peux faire pop un vaisseau si quelqu'un d'autre veut. Quelqu'un veut un truc. Moi, ça va, perso. Je m'en cut là, ça me suffit bien. Moi, du moment que j'ai un chasseur et puis j'ai mon Avenger au pire du pire, donc c'est bon. Je vais sortir le F7. Enfin, c'était pour aller plus vite, hein, mais si tu veux, vas-y. Non, je te fais sortir le Ce que F7, vous voulez hein. faire, c'est rester sur place et squatter le truc, c'est ça? Ouais, foutre la merde, quoi. Ouais, mais Si les collègues avec les freelancers et les cutlass, ils veulent recharger leur truc. voilà. S'il y en a un qui veut s'amuser, moi je peux faire pop un Starfarer et il nous suit. Bah voilà, un Starfarer, oui. Mais le Starfarer, il servira à rien parce que si c'est pas ton vaisseau, tu peux pas faire du bise. Ah non, mais je Ouais. te parle pour défoncer les gens. Ah, on est d'accord. Ok. Non, si tu viens Bon, juste c'est pour bon, je vous taper, rejoins. ça te fait une brique. Non, mais tu le prends, tu le remplis à ras bord, le truc. Oh non, bah j'ai pas. De toute façon, j'ai pas de thune là depuis le reset, j'ai pas rejoué, donc j'ai pas la thune dessus. C'est ça qu'il faut faire surtout, c'est ceux qui ont des transports là, du cargo, ils remplissent ça à fond, hein, vu qu'on est Ah, j'ai Ouais, un tu te mets à quel Caterpillar, bloc? mais le temps de remplir T'es un limité. Caterpillar, il faut une demi-heure. Hein. Et il te faut Ouais, mais... 100 000 balles. Non, T'es ça, limité. non, ça coûte 800 000 balles, en Oui, c'est fait. ça. Ah, 800 000 balles et une ah, demi-heure. 10 000. Même, c'est cher. Ouais, ok. J'ai entendu 100 000 balles. Ouais, Ouais, moi, je te fais j'ai entendu filer. 100 000 aussi. Vas-y, Bon, du je coup, te je vous fais fais filer pop les le fers. Starfarer et vous débrouillez avec. Comme tu veux. Que, bah, attends, qui est intéressé par le Starfarer? Si c'est personne intéressé, le fais pas bober. Hein. Alors, moi, ça m'intéresse pas. Bon, bah, il est en haut, en tout cas. Trop gros. Moi, je Bah, prends mon par cut contre, là. après, si c'est pour faire pour tuer des gens, vaut mieux avoir un gros shield. Il fait mal le Starfarer. Sinon, je Ok, vais y j'arrive. aller avec. Je suis à Port-au-Lisard, mais je vois le nom de personne. Tu sais, normalement, on voit Merci. en... les amis, on les voit en bleu. Là, je sais pas quoi, je l'ai déjà fait une fois. Non, Ça ça les... dépend de la non, manière c'est dont on uniquement voit. les gens qui sont dans ton groupe. D'accord. Moi, je vois personne aussi, mais bon, j'imagine. Devrox, Faudrait qu'on ouais, fasse Devrox, je attention. te vois. Ah si, moi, je te vois, tu dois être à Port-au-Lisard, Devrox. Je suis à la console, moi. Il y a un Starfarer en quelque chose 0-0 si quelqu'un veut. Non, mais il n'y a personne qui est avec toi, Devrox. On est tous à Grimex, toi, t'es loin de nous, en fait. Ah, je suis le seul à Port-au-Lisard. Ouais. Non, je suis à Port-au-Lisard aussi. Bah, si tu prends le Starfarer. Mais le problème, c'est que Mika. Alors attends, Mika, le problème, c'est est-ce que tu t'es connecté sur le même serveur que nous? Ouais, j'ai fait joindre ami. Ouais. D'accord. Donc je devrais te voir à un moment donné dans la liste des contacts. Putain, je te vois pas, hein. T'es sûr que tu t'appelles Mika 187 dans le jeu? T'es sûr de ça? Ouais. Bah oui, Non, forcément. écris dans le chat, au pire, écris dans Ah le chat. ouais, écris dans le chat global. Ah Ouais, ouais. t'es là. Ouais, bah t'es là, Mika. donc c'est que t'es Ah ouais, intéressé. c'est bien ça, putain de merde. En B00, il y a le Starfarer. Je sais pas où t'es, Mika, mais en B00, t'as le Starfarer. Ah ouais? Ouais. Ok, ça marche. Après, T'es le en quoi, toi? Starfarer. Ah, il est lent, mais il fait mal. Ouais, j'ai jamais je l'ai pas testé le Starfarer. Ah bah bonne chance pour trouver comment on arrive en haut. T'arrives, tu Ouais, rentres avec moi dans le Hornet ou tu vas dans un cutlass? Attends, je vais venir avec toi pour l'ouvrir. Après, en je tout peux. cas, que notre guide pour Jumptown parte le plus tôt possible, comme ça Ouais, tout le monde peut le parce que suivre. faut que je le laisse, que je l'ouvre le Starfarer et que j'aille faire quoi qu'un autre Non, truc. normalement tu peux descendre l'ouvrir. Si. Je sais pas C'est si je peux le laisser ouvrir, ça unclear ça. dépend. Le Est-ce que tu sais Caterpillar, il est pas c'est loc, mais. jour sur la planète ou c'est nuit? Ça doit être nuit là, je pense. Façon qu'il fasse jour ou nuit. Ouais, il faut voilà, normalement c'est jouable, hein. Je peux trouver à peu près où c'est et s'il fait nuit, c'est tant mieux parce que t'as de la lumière de Jumptown après. Il n'y a pas de lumière à Jumptown. C'est bon, Zini, tu l'as pris? Si, quand il fait nuit, il y a de la lumière à Jumptown. Il n'y a pas Ouais, de mais lumière à c'est pas. Jumptown de nuit, je te garantis, j'y étais encore tout à l'heure. Non, il n'y a pas de Bah, lumière en fait. dernière mise à jour, il y avait de la lumière la nuit. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Non, Ouais. C'est très dur à trouver la nuit, je trouve. Avant la nuit, c'était béni, tout bénef parce qu'il suffisait de trouver à peu près où c'était et avec la lumière, tu voyais à peine Non, bête. ouais, c'est fini plus ça. dur maintenant. C'est pas la fête du string non plus. Ça, c'est un monstre, hein, le Starfarer. T'es dedans là ou pas? Je te vois Non, pas. non, bah là, j'approche de la porte, là, justement. Ah oui, enfin, du sas. Ouais. T'as pris le Starfarer? Voilà. Si l'un d'entre vous, en regardant dans ses contacts, arrive à voir Mika 187 connecté, je lui passe le lead de la game et vous l'invitez. Ok, attends, je regarde ça.
Mais tu le vois dans le communiqué dans la liste. T'en bouge pas, bouge pas. Moi je l'ai pas, hein, NK. Moi je ne le vois pas. Si tu fais F11, dans la liste à droite du local, tu as toutes les personnes. Oui, qui merci, merci, je suis pas con. Et je te garantis que je ne le vois pas. Dedans, je le vois. Bah voilà, bah, je te passe le lead. Voilà. Donne le lead à Azu, je l'ai. Il est parti. Donnez-moi une seconde. NK, tu m'as dit que tu le voyais, c'est ça? Ouais, je le vois. Ah, ok, je t'ai mis groupe leader. C'est toi, Mika, non? Dans le Starfire, c'est Mika, c'est ça? Ah. Là, la personne qui me regarde... Là, c'est... Ouais, je crois qu'il a répondu, mais il a été coupé. C'est moi qui suis Starfarer. Il a répondu, mais son début de phrase était coupé, en fait. C'est par là. Ma connexion, elle devrait pas être terrible, ça va être ça. Ensuite, c'est là. Oh, putain, prends pas l'échelle, surtout. Tu l'as pas fait, le lead, alors, ou pas? Oh, je t'ai passé le lead, NK. Voilà, c'est en face, là-bas. Alors, je sais pas si c'est là ou pas. C'est pas forcément. Dès que tu t'assois, c'est là. Tu t'assois là, tu le lock, histoire que les gens viennent pas te faire chier. Il y a du monde. Hein. Je vois trois vaisseaux rouges en plus de Azuni. Vous avez fini, je me paie directement sur Yelan. Ça tous à Yelan, en fait. Alors je descends, décolle pas tant que je suis pas descendu, sinon je vais galérer. Ça sera mieux pour Satan, ça attire moins l'œil que tous attendre autour de Crimex. T'es sûr que tu m'as donné le lit? Je veux pas. Je peux vérifier, attends. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Contact. Je les lock, hein, c'est peut-être ça, non? Ah ouais, est-ce que tu peux ouvrir c'est bon la porte? NK, c'est bon? Ouais. T'as pas besoin de le délock, mais ouvre la porte, sinon je peux pas sortir. Vas-y. C'est bon? Mika, tu as eu l'invite ou pas? Ouais, j'attends. Oui, j'ai reçu l'invitation. Ouais. Ah, attends, c'est bon. Je sors deux secondes. Vas-y, tu peux fermer là. Je viens de me prendre des dégâts. Je pense que je me fais tirer dessus. À Grimex. C'est ça. C'est un joueur appelé... Ah bah je suis mort. Ok, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Je te laisse te casser, Mika. Dès que t'es loin, tu me dis. Donc, la mission vient de changer. Besoin de renfort à Grimex, on nettoie tout. On nettoie tout, ça me va. Ok, bah il y a le Starfarer qui arrive, il va se faire plaisir. Je vais où du coup? Parce que moi je connais pas... Grimex! Grimex, ok. Ouais, Grimex. Vas-y, t'arrives. Tu tires sur tous les connards qui sont rouges et qui sont pas dans ton groupe, donc pas sur Azoni. Merci NK. Grimex, c'est vers Yel là. Pas comme hier. voilà, pas comme hier, ouais. Je t'ai repris le lead. Moi j'ai vu, merci, je te remercie. Fais gaffe avec le Starfarer, hein, parce que si tu tires sur quelqu'un, en général t'as de grandes chances pour qu'il explose. Hein. D'accord. Pas sur moi, s'il te plaît. J'insiste. Ok, il y a un Constellation Andromeda, et on va sur le Hesperia Glaive, c'est lui qu'on pète. C'est lui qu'on pète. Je vais venir en freelancer, je pense. Salopard. Oh, on est tombé sur une danseuse étoile, gros. C'est toi qui es gros. Ça, il va pas danser longtemps. Bon, attends, plan B. Plan B. T'as réussi à décoller avec le Starfire ou pas encore? Ah ouais, ça y est, là, j'ai fait la route, là. Putain, il est lourd, t'es mort? Ouais, il est lourd. Dis-moi dès que t'es sorti de Port Lizard. Ok, attends. Là, je suis en train de tracer la route pour le... Ok. Pour Grimex. Je devrais pas tarder à sortir. On s'est fait éventrer, t'arrives. Vous êtes... Il y a quoi en face? Hesperia Glaive, là. Ah, c'est un Glaive, ouais, c'est chiant. Il vient me défoncer aussi. Je suis sorti de la zone. Ouais, il m'a défoncé. Impossible de le tourner avec moi. Attends, je vais prendre mon Avenger, ça passera mieux. Bah, pour tuer un Glaive, de toute façon, t'as que deux solutions. Soit t'as un gros chip, soit t'as un petit chip et tu fais en sorte qu'il arrive pas à te toucher. C'est ça. Les Glaives, actuellement, c'est complètement fumé. Un peu, j'ai l'impression, putain. Bah, avec le nouveau système de vol, ils vont devenir extrêmement, extrêmement difficiles à manier. Vous l'avez eu, le mec dehors, là? Non. Non, mais avec un freelancer, laisse tomber, hein, pour le toucher. Il y a un Starfarer qui arrive, mettez-vous dedans. Prenez toutes les tourelles. Voilà, je suis là dans deux secondes. Ah, c'est pas sûr, hein. Il fait bon. Quand même très mal. Je vais lui mettre la panique, je vais sortir mon Nox. Je vais lui faire aucun dégât, mais il pourra pas me toucher. Starfarer, si t'arrives à le toucher une fois avec les 4 T4, tu le coupes en deux.
3 minutes pour la pour le F1, pour le F7. Mmh. Après, si, au pire, essayez de viser les canons du glaive, si vous arrivez à le voir. Ça le fera chier. Non, ouais, il est intouchable, le glaive, parce que même quand tu tires dessus, on te touche pas. Il a une forme à la con, truc. C'est ça. Après, bon, c'est un peu le seul avantage qu'il a. Attends, j'ai ma bouffe qui arrive. Après ça va, on l'a bien touché avec Tarif, hein. J'ai vu, on lui a fait vla. C'est l'horreur, vous êtes tellement sur Yala que je peux pas cliquer sur le truc. Ah ouais, c'est chiant. Ah, y'a ma bouffe, je reviens d'autres. A tout de suite. Chasseur avec moi, on va essayer de prendre un... Il pourra pas nous tirer sur les deux en même temps. Attends, moi j'en ai pour 6 minutes. Bon, moi je suis à Grimex là, je vois des cibles rouges. Ah bah il faut allumer les cibles rouges. Ouais, bah je vais essayer. Ouais, il faut pas qu'on y aille les uns après les autres, faut qu'on y aille ensemble. Tout à fait. Déjà, essaie de te poser à Grimex, comme ça quand tu meurs, tu respawns à Grimex. Déjà, on sera ouais, ensemble. Ouais, pas bête. Juste tu te poses et tu redécolles. Hein. Ouais, voilà. Ah, c'est pas ton vaisseau, ça marchera pas. Si. Ah bon? Ouais. Moi, il me semble pas, hein. Quand je transporte Tarif, en général, il pop ou lui, il a sorti un vaisseau. Ah. Bon, j'ai des freezes hein, de connexion, il faudra que je suis mort. Après, putain. En voulant monter dans mon vaisseau, je suis mort, j'adore ça. Ah, ça m'a déjà fait. C'est chiant. Par contre, je vois que deux mecs rouges sur Grimex, un mec en constellation et un mec en caterpillar. D'ailleurs, ils se tirent dessus l'un l'autre. Ouais, je passe à côté d'eux là. Je vais aller me poser. Je propose qu'on prenne le winner. Voilà, mais moi d'abord, je clear. Moi, je veux du clear. Ah mais ça serait pas des PNJ tout simplement? Non, c'était des PJ. Non parce que là le mec il a un nom il a un prénom et un nom de famille. Et en plus quand j'ai commencé à lui chuter dessus, il a parlé en anglais comme dans le jeu quand tu fais l'émission, tu sais. Ah oui, peut-être un moment PNJ alors ouais. Je réclame le super armate. Il est toujours là du coup le mec? Je crois pas. Je vois plus personne à part éventuellement des PNJ qui font les shows là. D'ailleurs, il faudrait les détruire pour faire de la place, pour clarifier un peu la zone. Je vais arriver à Yella dès que je... À 04 pour le site Aronet. Non, bouge pas ton frère. Non, c'est bon, il y arrive. Tu me dis quand tu l'as pris que je claim. Ok. En mode gitan là comme hier, putain. Ouais, je avant qu'on pique ton vaisseau comme certains hier. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo YouTube. Après, je suis pas un pro du montage, donc c'est brut de pomme hein, ce que j'envoie sur YouTube. Voilà. D'ailleurs, si ça vous embête que j'ai posté quoi que ce soit avec vous, votre voix ou quoi sur YouTube, vous me le dites, je supprime la vidéo. Vous avez besoin d'aide pour du montage, il n'y a pas de souci, hein. Je me débrouille pas trop mal. Voilà. Bah, je t'avouerai que je suis tellement polio que même avec l'outil en ligne de YouTube, je voulais juste couper la vidéo pour enlever le début qui est un peu long, qui sert à rien, je suis pas arrivé. Ouais, histoire d'épurer, non, moi je suis sur Sony Vegas, non, ça va. Ouais, bah Sony Vegas, du coup, voilà. On va parler tout de suite, pourquoi pas, pour avoir ça. Après, là, ça va, on va faire rien de spécial, mais c'est vrai qu'il y a d'autres trucs, par contre, il faudra pas que tu filmes, mais ça sera plus tard, quand le jeu sera sorti. Ça c'est des trucs, tu vois, par exemple un braquage, t'aimes pas de savoir comment on l'a fait. Ouais, donc je confirme, le Constellation et le Caterpillar qui sont présents à Grimex sont tous les deux des PNJ. Bah écoute, on va y filmer ça là. Alors juste pour voir... On est en train de me tirer dessus là. Ah, attends, c'est qui dit ça? C'est Mika? Ouais. Mika, t'es où? Grimex, tu pourras pas tirer avec les Star Ferrer.
Dev who? Non, c'est non, en fait, non. Non, mais Mika, il n'y a personne qui te tire dessus là. Ah bon? Non, non. Si, j'ai pris des dégâts à l'arrière. Ah, je vois un ennemi. J'essaie d'atterrir à bord. Ouais, il y a un Caterpillar. Tu peux pas, hein. Agrimex, tu peux pas atterrir avec les Starfarer, t'es trop grand. Ah, d'accord, c'est pour ça, ok. Bah, merci. Parce que là, j'étais en train de galérer. Je l'avais avant et. Ok, pas de soucis. Ouais, il y a un Andromeda aussi. Ouais, c'est Andromeda et Caterpillar. Ouais. J'attends que les shields chargent un peu et on y va. Ah, par contre, il y a un joueur là aussi. Il y a un joueur dans un F7CM Super Hornet. Non, non, c'est Azuni. Alors, il est en rouge parce que c'est un petit con, mais il faut pas lui tirer dessus quand même, comme moi hier par exemple. D'accord. Chaque sa façon de rentrer de l'argent. Moi, je suis à côté. Moi, je suis avec mon Ox depuis tout à l'heure, je fais des petits tours, je passe à 80 000 km/h. On tue Constellation et l'autre. Ouais, il faut les tuer tous les deux là, ils me prennent la tête là, ils font du bruit. Ouais, Constellation. Il y a un espèce de. Qui tire. C'est le Caterpillar qui tire de manière, on va dire, ouais. Régulière. C'est lui. Ah merde alors. Ça va frapper ton Caterpillar. Ah, pardon, pas le Cater, le... Mon Cutlass ? Ouais, ton Cutlass. Ça va arriver. Je me pose là. C'est le temps que tout le monde se prépare. Je faisais un reclaim sur mon Cutlass et je sortais le Nox en attendant. J'ai l'impression que je me suis fait piquer mon vaisseau. C'est quoi ce bordel? Ah mais non, d'accord, je suis en armistice, putain, je me disais... On est tous en zone d'armistice là en fait. Enfin, le Andromeda il est en zone d'armistice. Le Caterpillar aussi en fait, c'est pour ça qu'on peut pas leur tirer dessus. Mais en fait tu peux en sortir et leur tirer depuis l'extérieur de la zone d'armistice. Ce qu'on a fait, mais on les touche pas, j'ai l'impression. Si, le Constellation tu le touches, hein. Je le vois, il est en face de moi. Il prend des coups. Après est-ce qu'il prend des dégâts, je sais pas. Même si tu leur envoies des missiles, tu pourras pas les toucher parce que les missiles sont désactivés en zone. Ah! Bon, ça va. Je vais te balancer 50 missiles, il suffit que t'ailles en zone d'armistice, tous les missiles ils savent plus quoi faire. Putain, mais c'est quoi ce délire? J'ai encore de clamser en voulant monter un escalier à. Une échelle, ça me gonfle. Ah, les échelles c'est dangereux. Mais c'est quoi? C'est des joueurs ou des PNJ? PNJ. Ok, d'accord. Tu veux faire la différence, si jamais il y a un espace dans leur pseudo, c'est que c'est un PNJ. D'accord, ok, ça marche. Ah oui, c'est le cas. Il y a du monde à Jumptown qui s'annonce, là, je vois. Je crois que t'es immunisé, tant que t'es en zone d'armistice, t'es immunisé aux dégâts. Alors ça, j'en suis pas si sûr, par contre. En tout cas, les missiles non. Sont complètement désactivés en zone d'armistice. Ouais, ça, ouais. Mais par contre, ouais, si tu te prends un choc ou quoi, t'es raide mort. Ah oui, les collisions, oui. Non. Tire dessus. Putain, il y a du français dans tous les sens là sur le chat global. Par contre, si on va à Jumpstone, il faudra que je suive quelqu'un parce qu'en fait, bah, je vois à peu près où c'est, mais j'y suis jamais allé en fait. Hein. Je suis. D'accord. Je viens juste trouver Jumpstone en fait. Alors, si vous venez sur Albert 3, tu y es là? Ouais. Il y a un freelancer Max, mais je le laisse. Ok, c'est parti. Bon, bah, tout le monde se fixe sur Albert et c'est parti. Ou pas, parce que vu que je suis crevé, j'ai le temps de récupérer mon vaisseau. D'accord. Bon, moi j'y vais, en tout cas. Ouais, vas-y, allez-y. Hein. Ok, ouais, je vois Albert. C'est parti. Il y a l'Andromeda et zéro dégâts en armistice. Il y a un autre qui passe aussi. J'ai emmerdé avec la porte du
du freelancer, la porte arrière. Elle descend trop bas. Y'a plus les trucs pour se TP autour de la planète? Je les vois pas. Ah si si. Ouais mais en tout cas j'en suis. Si si, ils sont encore, je les ai encore utilisés ce matin. Ouais, je vois pas sur... Regarde, le bug c'est une marque de PV, t'as pas le droit. Bon, si vous voulez tuer les vaisseaux qui sont atterris, faites gaffe de ne pas détruire mon cutlass, s'il vous plaît. Parce que je suis atterri. Sur les vaisseaux, une menace, mais... Ouais. Plus sur les menaces. Bon, je pourrais tuer le mec sur le freelancer et prendre son cargo, mais bon, je l'ai pas fait, malheureusement. Non, je jump pas, je vais direct sur place, comme ça, on est en vitesse de croisière, on arrive dessus. Là. Il y a un freelancer qui vient de se décoller, je pense qu'il est chargé de cargaison, alors... Attendez, depuis quand on laisse les gens faire leurs affaires? Non, non, non. Exactement, ça, meurtrier là, moi je dis, on l'a grand, on le chope. Ah non, mais il va nous doser puisqu'il aura le temps de sortir de l'atmosphère et de faire un jump sur Grimex. Ouais, bon, là, ça ira pour cette fois. Il y a un autre Codeless qui est là. Quand il se casse, vous pouvez le. Je sais pas, je sais plus du tout. Ça fait un bon. Ça te cancelle le chargement de quand tu travailles. Mmh. Non, je te confirme que non. Ok, bizarre. Ça dépend peut-être du vaisseau, mais j'ai déjà pris des coups et ça m'avait rien fait. Alors, attendez, je vois les deux là, il y a Nathan77 et Mika, vous êtes dans le même vaisseau, non, un truc comme ça? Non, c'est Tarif et moi, on est ensemble. Tarif et moi. Mika, il est loin. Hein. Mika, il est loin, d'accord. Ouais, je vais survivre en dernier, hein, parce que là, je suis à fond, mais bon, c'est... T'as 300 km. Ah non, c'est des rocks, pardon. Mika, il est au-dessus de moi, il y a 13 km, je suis en train de le rattraper. Bah, ça, c'est le Starfarer, donc bon. Ah, allez, bon courage pour atterrir avec. Bon. Mais t'atterris pas justement, c'est juste fait pour défoncer les gens. Oh bon. De toute façon, moi je vais pas faire d'achat, hein, parce que hier en fait j'avais fait du commerce. Mm-hmm. J'avais tout acheté, puis je me suis écrasé sur... Merde, c'est pas ton vaisseau, ouais. Pas. Si c'est pas ton vaisseau, ça marche pas. Bah j'ai plus une seule thune, quoi. On peut t'en donner, hein. Oh non, c'est bon de toute façon. En fait, j'essaie d'économiser et m'acheter un cyclone. Ah ouais, ah bah je l'ai moi si vous voulez. Après, on pourra aller essayer si ça vous branche. Sur démarre, sur le Arc Mining Corp de démarre, c'est mon point de repère habituel. Et ouais, je fais popper autant de cyclones que vous voulez. J'ai des Nox et des Dragonfly aussi. Ah, c'est cool ça, on pourra faire des courses et tout. Et... Ouais, j'ai aussi un cyclone et un Dragonfly. Je crois que des Vrogs, ça aussi, il y en a aussi. Mais non. C'est vite. Il me reste 47. Ah ouais, quand même. Quand je te dis que je suis le pauvre du jeu. Non, deux balles. Du UFC ? Ouais. Bah oui, hier en fait, je me suis écrasé avec toute une cargaison de médicaments en fait. Ah bah, arrivé chez Levski, j'étais en train de régler un truc sur l'écran en rasmote. Ouais. Attends. Indica, c'est pas toi qui ouais, comment faire des trucs avant-hier? Non, je sais plus à qui j'avais dit donner des points ou revendre, acheter ou revendre. Bon, c'est pas grave. Il
Celui que j'aimerais bien voir, c'est le Caterpillar de Devrox. Je le ferai pas tout à l'heure si tu veux. J'ai le cartuel, s'il y en a qui veulent tester. Ah ouais, ça ouais. Ça, je veux bien essayer. Ouais. T'es venu avec quel vaisseau, le Cater? Moi? Oui. Putain. Tu parles ma langue quand tu parles de petits chasseurs comme ça. Hein. Je l'ai jamais essayé. Je l'ai en remplacement du Defender. Donc... Lequel? Cartuel. Donc vous venez ou qu'est-ce qui se passe là? Je suis à 150 km de toi, on arrive doucement, avec Azuni aussi, et Nathan, je suis juste au-dessus d'eux. Azuni, il va falloir qu'on les montre le petit shortcut ouais, là. Il a une petite technique lui, en fait, qui est un peu plus rapide que ce qu'on fait. Mm-hmm. Mais après, j'arrive pas à me repérer. Hein. Là, non, mais t'inquiète. Une fois sur 10, tu vois, mais avec l'autre là, 0. Non mais c'est bon, si moi je suis déjà là, alors moi je peux vous guider de là, c'est juste, ça veut dire que ça vous prend beaucoup moins de temps pour arriver. Mm-hmm. C'est quoi ta technique? Quand tu connais le truc, c'est plus rapide, c'est sûr. Et c'est quoi la technique? Alors vous y allez de Grimrex, vous jumpez jusqu'à Yala, vous y allez de Yala jusqu'à OM6, et de OM6 vous visez sur Aston First Aid Center. Mmh. En fait, c'est de l'autre côté de la planète. Mais d'accord, ouais. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'amener au long de la planète. Et quand tu es à 600 km de Aston First Aid, tu tiens B. Ça va te enlever de Quantum Travel. Et tu devrais être directement au-dessus de Jumptown. Quand tu tiens B dans Quantum Travel, à la vitesse que tu veux, ça prend 100 000 km pour arrêter. Alors, il faut être environ 520 km à 500 km de The First Aid Center. Mm-hmm. Et après, c'est très facile quand il a la lumière pour voir Jumptown. Pour t'aider, Azuni et les autres, en fait, si tu appuies sur B, quand tu es dans l'espace au-dessus de Jumptown, et tu regardes au centre de la planète et tu trouves OM5, Jumptown, en fait, elle va être près de là. D'accord. Près de où OM5 il est. Il devrait être. Ça dépend de où tu es dans l'espace et quand tu appuies sur B et où tu t'arrêtes. Mais en fait, après, tout ce que tu as à faire, c'est descendre de l'espace. Et ça prend même pas une minute, je trouve. C'est beaucoup plus vite, en fait. Ouais, ok. C'est dur à faire la première fois. Oui. Ah. Tu sais quoi, tu vas nous noter tout ça parce que de mémoire, j'ai peur. Je suis sûr que. Ouais, exactement. Je pourrais le faire sur le Discord en fait. Mm-hmm. Vous parlez dans le général, n'est-ce pas? Ouais, général, ça ira très bien. On attend les collègues, on scanne en même temps. Enfin, ça fait plaisir, une nuée de chasse de vaisseau là. Spaghetti, c'est un constellation. On en fait quoi? Attends, il y a un vaisseau qui est pas à nous là sur place? Ouais, il me faut une réponse maintenant. C'est quoi? Attends, vas-y, envoie, défonce-le. Ok, hey, Lequel? Le Cutlass ou un spaghetti? Ah ok. Je connais pas. Ouais, je le vois aussi. On défonce cette merde. C'est chez nous maintenant. Là c'est sûr, c'est pas le moment d'être à Ton. Hein. Il t'a déboîté, mec! Non, je sais ce qui s'est passé, j'ai fait de la merde. C'est bon? Ouais, j'ai fait de la merde, j'ai pas vu ça. Tu dois regarder lui, pas ça. Tu t'es écrasé? Ouais, je suis habitué à l'espace. Non. Il est pirate ou il est pas pirate, le mec? Il est pas pirate, on s'en bat les couilles, c'est chez nous! Ah, mais c'est pour savoir comment je le. Je le target? Spaghetti 33, il s'appelle. En constellation. Il faut que je le trouve déjà. À côté de moi, Morphicius. Je le vois pas encore. Je le balance un scan. Bon, je crois que je l'ai eu là. Ouais, t'es passé rouge. Allez, bas les couilles. Un de moins. C'est un de chez nous, le Aurora Allen.
Non. Non. Aurora, Hélène, Agdan, à défoncer tout de suite. C'est un Aurora, le pauvre. Ah, mais si on prend la zone, on prend la zone. J'arrive. J'irai faire un tour avec le Caterpillar jusqu'à... Allez, jusqu'à Hearthstone, si vous voulez enlever les Kramstats après. C'est des médailles. Il est mort, je l'ai eu. Ça fait 2 pour moi, 0 pour tous les autres. Tu crois que je vais faire du kill avec un freelancer? Vous vous démerdez, je veux pas savoir. Chacun, je veux pas d'excuses. D'ailleurs, en parlant de ça, Attendez, il y en a pas un autre qui essaye de ramener son cul là? Non. Bon, si vous donnez de la protection, ça vous va si je. Je bouge de la marchandise. Ouais, vas-y, vas-y, moi aussi, je vais remplir le vaisseau, attends, obligé. Dans le chat, là, il y a le mec que vous avez buté, la spaghetti, là, il est en train de parler de Jumpstone, justement. Il va sûrement y avoir du monde qui va venir. Ouais, il nous voit. C'est en anglais, donc je sais pas trop ce qu'il dit. Mais... Si, c'est ça, il est chaud, il est chaud. Il vient se venger. Si vous le voulez, vous l'aurez, il va nous descendre, il faut juste nous attendre. Il faut juste que nous attendons à Jumptown. Ça sent le 600i. Ça sent la mort, ouais, surtout, il va se prendre une rasée, le mec. Attendez, on est nombreux quand même, là. Bon, on est assez nombreux. Et le temps qu'il se ramène, je pense qu'on sera au complet. Hein. Ouais, mais rapporté qu'à l'acheter pas. Bon, bah moi, je veux pas savoir, je veux pas entendre d'explications, vous vous ramenez, point final. Ouais, mais achetez pas de trucs, hein. Ça vous évitera de perdre de la thune. Ouais, oh. Moi, je suis peut-être thune, je m'en bats les couilles. Si, reviens, moi j'achète pas des boudins alors, parce que... Bah, si vous voulez combattre, n'achetez pas. Ah, je crois que le Aurora, il a marqué trop du cul. Ouais, oui. Ah, il est chaud. Par contre, je t'avoue qu'avec un freelancer, combattre, ça va être chaud. Moi j'ai des problèmes internet en ce moment, en fait. C'est bon, je repars. Hein. Il t'a dit qu'il était avec toi. Il y a de la drogue, ensuite il s'étonne de se faire attaquer. C'est ça. C'est comme si le dealer du coin il se faisait arrêter par les flics et disait putain, vous êtes vraiment des cons. Putain, c'est abusé, sérieux. On peut plus travailler tranquille. C'est pas comme ça que ça se passe en France. Comme si c'était arrêté par des flics. Nous, en fait, vous protégez les drug smugglers, en fait. What I just said makes no sense, I'm mad. I didn't get what you meant. Ouais, non, moi j'ai même pas compris ce que j'ai dit. Ça arrive. Le français, c'est dur, ok. Bon, alors du coup... moi, je reste proche de la cible, enfin de l'endroit, quoi. Après, vous vous positionnez comme vous avez envie. Si vous faire des dégâts, il y a toujours les tourelles sur le Starfarer. Hein. D'accord. Bon, non, mais là, chacun est dans son petit truc, ça devrait aller. Et puis, c'est mieux de multiplier les cibles. N'oubliez pas que ça consomme de l'essence d'être juste comme ça dans l'espace, alors il faut faire rien. Sûr. Bon. Pas tant que ça. Mais par contre, Devrox, pourquoi tu t'éloignes? Tu t'en vas, tu reviens? Eh ben, viens sur nous. Savoir que j'ai un sens de l'orientation extrêmement mauvais. Non mais, viens sur Morvicius. Moi, je suis au bon nom. Les seuls que je voyais, en fait, c'était les trois qui étaient au-dessus de moi, en fait. D'accord. Je voyais pas il y a 2 minutes. Pour ça, mais pas. Du coup, tu vois mes... Voilà, tu vois mes... mes... Ouais. Oui, mais je voyais pas... En fait, il y a 2 secondes, je cherchais où vous étiez et je voyais personne. D'accord. Je vais me mettre en formation avec NK. Ouais, moi, j'avance tranquillement, parce que comme je le connais... Ah, bouge pas, NK, T'as vu ce qu'il a dit Dealing with tickets is worse. Dealing with ticket is worse. Ah. Trop bien. Ah, il est chaud. Hey, il va revenir me défoncer avec son Aurora. Ouais, chaque fois que je vois un Aurora qui est vénère, ça me rappelle la 2.0. Ils
Azora, c'était les rois des cieux. Ouais, non, c'était le M50. Ouais, enfin, tout ce qui pouvait foncer vite et qui était petit, ça fonçait sur n'importe quoi, ça faisait exploser. Ouais. C'est tellement ridicule. Par contre, c'est pas Farah. Mika, c'est moi qui arrive. Hein, c'est le suite. Voilà, j'ai essayé de provoquer un peu le truc. Right now we claim Ten Town. Anyone disagreeing, just come and try. Vous avez des tips pour targeter le propre manga là, parce que hey. Moi toute la fois je vous target. Un vert c'est U pour targeter quelqu'un qui est en train. Je teste un truc. Okay. Les rouges c'est T et les verts c'est U. Comment c'est le c'est quoi la touche pour cycler sur les cibles hostiles? Y. Y, ok d'accord, merci. C'est Y. Ok, merci. T'en prie. Parce que moi il faut que je reset mes trucs parce que depuis la 3-4-3 visiblement ils ont reset les bindings. Attends, il va vouloir rentrer dans un étoile. À mon avis, tu vois, le mec qui a fait son show là, il va pas revenir parce que ça fait un moment déjà et le temps de revenir, ça va lui prendre des plombes et il va se décourager. Non, mais c'est possible que son grand vaisseau là, c'est dans un autre système. Mm-hmm. Non, j'allais prendre de la drogue dans ces cas-là. Ouais, en fait, oh, pardon. Tu arrives pas à me viser, tu regardes. J'arrive pas à te focus avec les missiles, je comprends pas pourquoi mes missiles ne marchent pas. Non, attends, désolé. Je tire une missile dessus. Désolé. Sur qui? Sur moi? Ouais. Putain, mais abruti. Un missile. J'ai testé le missile pour l'autre. Ah, merci. Pourquoi je peux pas? Ouais, bon, vous arrêtez de jouer avec vos missiles, merci, ça serait sympa. Mais non, en fait, les missiles, ça marche. J'ai 50 missiles, si je peux pas m'en servir, je suis un peu baisé, quoi. Ouais, mais pas sur moi. Ça marche, mais en fait, le truc de Star, quand tu bouges, tu peux pas le voir. Mais les missiles, ils marchent, en fait. C'est juste le cercle. Ni l'un ni l'autre. Alors. Donc, vise Morphicius, et après... Non, mais allez vous faire enculer, tu vises qui tu veux, mais tu vises pas moi, tu sais. Ok, j'ai compris, je crois que j'ai compris. En fait, je vois, c'est bugué, c'est même pas sur lui, c'est derrière lui. En vas-y, fait. Déjà, vise Azuni, il a l'habitude de se faire exploser. Ouais, je fais ça. Avec son petit Avenger tout moisi, là. Je t'ai fait des dégâts, Morphicius, ça. Non, c'était juste les shields qui ont pris. Ok. Je voulais, c'était accident. Non, mais c'est pas grave. Hein. Y'a pas de problème. Tu poses de pilotage, je vais remonter dedans. Je me pose aussi, je vais essayer de re-remplir un petit peu plus de Widow. Gardez l'œil ouvert pour ceux qui les incomings, ceux qui arrivent sur place. Ouais, je suis en train d'aller acheter de la drogue hein, pendant ce temps-là. D'accord. J'adore, tu sais, on parle comme si... Ouais, je suis en train d'acheter de la drogue. Ah d'accord, t'as bien raison. Prends-en un peu pour... Alors, l'étape d'après, c'est d'avoir des unités au sol avec... Faut que je ramène un cyclone TR. Et t'as quoi, tu disais? L'Ursa Rover. Ah, l'Ursa, c'est pas mal aussi. Dans le Starfarer, et puis voilà. Bah, moi, le cyclone, il rentre dans le Cutlass. Moi, je trouve que ça serait drôle si on se tous planque à l'intérieur de Jumptown et on attend que les gens y rentrent. Un peu comme le mec là qui était allongé. Ça, c'est vraiment une vieille technique de pute. Surprise! Bam! Même pas, on attend que le mec. On cache dans un des champs, on attend qu'il achète tout son Widow. Et on le suit jusqu'à son vaisseau. On attend qu'il ouvre. Non, en fait, on se planque tous avec des snipers sur le côté. On attend qu'il ouvre ses portes. Et après, on le détruit. Hein? Mais tu disais que c'est pas possible de vendre la marchandise. Ouais, si c'est pas ton vaisseau. Basically, you cannot steal someone else's ship and then make business with it. Currently. It will be put, I think, in 3.6. C'est impossible de bouger la cargaison jusqu'à ton... Non plus. C'est statique. T'as réussi à atterrir avec ces vaisseaux? Joli. Bon, n'empêche, je répète le score. 2, les autres, 2 pour moi, les autres 0.
lancer des missiles, t'en aurais 50 qui seraient partis sur le Aurora, juste pour le plaisir. Ah bah non, pas sur le pauvre Aurora. T'as plus de masse de missiles que le vaisseau, il a de... Je suis à deux doigts de me barrer sur Grimex pour aller faire mon petit bise, mais... Ouais, j'y vais aussi. Allez. Spaghetti, il va être là bientôt. Hein? On va revenir. Mais il est seul. Je sais pas qu'on est en groupe, c'est le pire. C'est pas faux. En fait les gars, je pense qu'on... Le sait parce que quand tu fais... comment dire... Quand tu essaies de monter dans un vaisseau lock, si t'es en groupe, normalement il est pas lock pour toi. Ouais, non, mais le mec, l'Aurora, qu'on l'a tué, il sait pas qu'on est en groupe, là. Okay. Ni le Constellation, il peut pas savoir qu'on est en groupe. Il peut se douter, bien sûr, il peut s'en douter, quoi, mais... Non, mais je pense qu'on devrait laisser Morphicius aller un contre un contre ce mec. Et après... Bah, donc, justement, moi, je veux me docker et refaire le plein de missiles, en fait. Faites chier le mec qui essaie de filer 300 000 balles à son pote, là. Il y a la mission qui pop. Faites le petit chapeau juste pour lui prendre à chaque fois. Que je fais depuis tout à l'heure. Laissez-les faire leur échange de tuiles tranquille. Non. Encore que l'autre aille pas à recharger, ça c'est autre chose. On est sur place et puis je pourrais lui voler sa marchandise, je le ferais. Y'a personne là, c'est pas drôle. Ah bah en même temps, y'a un mec qui s'est pendu. Bon, je vous propose un exercice de roleplay. On est les gilets jaunes et on occupe Jumptown. Tout le monde achète des grenades. Grimex, on peut le bloquer. Ah, je me fais allumer, non. Je sais pas. T'es où? C'est qui d'avoir qui c'est qui? Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'attendait là. Je repars sur la planète. Tu t'es fait défoncer loin de nous, proche. Attends, je suis occupé là. Je peux pas commencer à faire des commentaires, etc. Je suis commenté, voilà. Je rentre sur la planète, j'arrive avec vous. Je me suis fait tirer dessus par un connard. Je sais pas qui c'est, j'ai rien eu le temps de voir, je fais demi-tour. Je retourne. Parce que t'es en rouge. On monte pour... Non, vous bougez pas de Jumptown. Moi, j'arrive. Par contre, j'ai une question. Au centre de mon écran, je vois un petit truc avec marqué comme un éclair de flash. Tu sais, le flash, le... missile et que tu dois pouvoir envoyer normalement des flares pour le dévier. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, ça fait rien du tout. En fait, c'est juste qu'en gros, quelqu'un t'a lancé un missile, sauf que le jeu il bug, le missile il a dû partir à faire sa vie, mais toi t'as toujours le truc qui est fiché. D'accord. Si vous voyez quelqu'un qui me course, les mecs au sol là, si vous voyez quelqu'un qui me course, vous le défoncez. Là, le seul qui te course, c'est moi, je suis à 16 km derrière toi et. Ah, mais attends, mais moi je le vois le mec. Attends. Ouais, je pense que le vois. Il est. Attends, le problème c'est que je l'ai pas. C'est Anvil Hornet. C'est un Anvil Hornet, ouais, je confirme. J'ai pas son nom, mais c'est lui qui fait le show. Faut le déboîter, là. C'est Spaghetti. Ah bah oui. Forcément, logique. Le pauvre. Bon, moi, je me contente de fuir, parce que là, je suis en train de me faire doser. Il est sur moi, il est direct sur moi. Il me rame. Bonjour. Il est pas dans un spawn. Ah, il est sur moi et moi je suis en mode. J'ai perdu le contrôle. Hey. Allez, on l'a bien niqué sa mère. Nickel. Mission accomplie, les gars. Ah, attendez, il y a quelqu'un d'autre qui me tire dessus. Quelqu'un d'autre. C'est qui fait le show là? C'est un stalker visiblement. Ah non, c'est Freelancer, Stalker. Un Cutlass Black. On a un Freelancer Miss là? C'est moi le Miss. Ah, c'est le Cutlass, il vient de passer en face de moi. Bah, le Cutlass, c'est moi. Ah bon? Et moi, c'est le... Y a pas mon nom marqué au-dessus, vous voyez pas le Cutlass? Si, il y a tellement de monde aussi. Des ouf, les mecs. Non, autant pour moi. Non, c'est bon, y a juste un tir qui est parti en fait. C'est, je croyais que j'étais encore agressé, mais en fait, ça. J'ai failli. Ouais, moi, je rentre à Grimex, j'ai trop de trucs à vendre, il faut que je fasse un peu de profil. Ouais, je vais juste acheter du truc. Il est pas monté dans le serveur. Bah non, il a une dégaine en crash. Le temps qu'on se reconnaît, qu'on s'est barré. Donc je dépose à Grimex dans un des vaisseaux. Bon, moi je vais aller me crasher, je vais passer à Kira, enlever un frame stat et ça va gagner une killer parce que le miss sans missile ça sert vraiment à rien. Pourquoi trap? Non, les missiles ça marche bien en fait.
Non mais moi je peux pas lock là en fait avec mon vaisseau. Donc si peut-être veux, le miss en missile il sert pas à grand chose. Ah ouais, ok. J'ai 50 missiles dans la soute. Donc... partir pour le suicide. Destruction. Ah non, attends, faut pas que je fasse ça. Du coup moi je fais quoi? Je reste sur du côté de Johnston autour? Ouais, c'est pas plus mal qu'on reste qu'on garde quelqu'un sur place. Comme ça nous évite de rechercher l'endroit. Ouais, ouais, ok. Non, bah, parce que de toute façon, on tente pas aller-retour. Mais... moi, je vais acheter du. Avec moi, du carré, tu peux me donner du couvre. Couvert. Ah, je te dépose à Jimta, moi. C'est ça que tu veux? Ok. Quelqu'un qui veut passer à Carrea ou j'y vais tout seul? Vas-y, tout seul. Ok. C'est qui est sur place, là, sur JT? Moi, je suis sur JT, mais j'achète du Bouddha, ouais. Après, j'y vais voir. Je dépose tarif, il veut rester là. Il veut faire l'escorte au sol ou il veut monter avec toi, je pense, je sais pas. Tarif, tu veux faire quoi? Parce que moi, je vais retourner à Grimrex après que j'ai acheté tout le... enfin, assez beaucoup de Widow, en fait. J'ai pas pu acheter autant que je voulais. T'es limité en temps du Widow? Meurs, ça recette pas ton crime stat, en fait. Il faut que les Hurston Guards te tirent dessus et te tuent. Ah, ok. Désolé. Mais sinon il y a le Star Farmer si tu veux. Je vais revenir en Buccaneer, c'est un peu vite. J'aime trop que l'autre il ait fait son show avec son petit Hornet et que ça ait fail comme une grosse merde. Il a rien dit dans le chat après que... Bah ouais, forcément, il a dû faire Alt-F4, obligé. Sinon, je peux choper quelqu'un dans le Warden. Tu peux acheter que 20 unités de... Non, non, ça c'est normal. Après, il suffit d'attendre un petit peu. Moi, je l'ai fait en deux fois, tu vois. Moi, j'ai chargé 40, là, tu vois, donc deux fois 20. Ah, c'est con. J'aurais fait pris... Bon, c'est pas... Non, c'est pas très intéressant. Important, vu que prochain reset, on a plus de... on a plus de thunes. Oui, non, c'est pour le roleplay, quoi. Ouais. De toute façon, là, c'est pas vraiment pour la tue, c'est plus pour s'amuser. Ouais, grave. Bah, déjà, ça a fonctionné, quoi. On a tué trois mecs, dont deux fois le même, qui voulait faire son show, là, en ramenant sa petite merde. Ah, il s'est fait chipser le cul. Il a même pas réussi à me tuer avec son Hornet, hein. J'ai eu le temps de le fuir et de le ramener sur vous, quoi. Alors, il est fumé, hein, avec une classe. Alors, en même temps, tout à l'heure, je me suis fait allumer par le glaive, je crois. Et il m'a déboîté, hein, devant Grimex, là. Le glaive, il voit une chose que tu veux. À part les gros vaisseaux, même à Constellation, il se fait tout shot. Le Constellation, il est bugué. Ouais. N'importe quel ship, un Warden, un Constellation. N'importe quel ship avec un shield medium se fait tout shot par le glaive actuellement. D'accord. Et, ils ont fumé sur le glaive ou quoi? Ah, il y a deux T5 dessus. Même le Starfarer il a pas de T5. Avant, il avait un T6, hein. Avant je sais pas, mais là il a deux T5. Il avait un T6 en T2. Vraiment que le T6 déjà à l'époque de la réponse. Il a l'énergie pour pouvoir les tirer et tout ça. Quoi qu'il arrive. Alors quand il tire, ça lui arrache la moitié de son vaisseau. Quoi. Ah, je sais que c'était vilain, hein. Tu touches avec ça. Hein. J'aime pas les armes fixes, je préfère les armes qui bougent. Mon tarif, je suis complètement chargé là. Et on retourne à Grimrex. J'arrive à y aller là avec un Warden. Bah, je vous escorte jusqu'à la sortie et je redescends sur Starfarer après pour attendre. Non, moi j'ai... Dites-moi si vous me voyez rouge ou bleu, parce que j'ai un crime stat. Je sais pas si un ça qualifie de... Non, un c'est pas assez, il faut plus que de la moitié. D'accord. Ah si, on joue en rouge, dès que t'en as un, on joue en rouge. Ah non, sûr que non. Ouais, moi je suis full, hein. J'ai une barre et je suis full. Parce que j'ai jamais vraiment regardé à combien ça marche. T'as combien de barres toi, Jay? Moi je suis au 3 quarts là, donc là c'est sûr que moi en rouge, il n'y a pas de problème, aucun doute possible. Pareil, je ne me tire pas dessus. Je vous escorte jusqu'à la sortie d'un
l'atmosphère et après je redescends sur Starfarer. Par contre, c'est chiant à vendre. J'avoue. On échange de terminal, NK ? Non, c'est que tu es limité à un certain nombre de prix par de vente par minute. Tu peux faire dépop ton vaisseau et le vendre plus tard, au pire. Ouais, mais ça implique d'avoir d'autres vaisseaux à utiliser pour faire ce qu'on a à faire. Oui. Bon, c'est pas trop mon cas, en fait. Je prends les 600 E, c'est marrant. Ouais, 600 E, au moins, il est increvable. À défaut d'être maniable... Oh, si, il est tu, mets deux, tu mets un ou deux glaives, il se fait défoncer aussi. Merci. Il y a moyen de costaud face à des T5. Comme ça, vous faites votre job sur Grimex et vous êtes en sécurité normale. Ouais, il a des gars avec Grimex, non ? Ouais, on est sur Grimex là. Il y a NK sur Grimex, il y a Morvicius aussi. Ouais, j'arrive. Je viens en Warden. Il y a Tarif et Albert qui arrivent aussi. Hein, sur Grimex. Bon, ça va prendre du temps à tout vendre. Contact, c'est qui ça? Non, c'est un autre, c'est un Constellation Intermedia. Ah merde, je suis pas avec vous là. Ah bah ça doit être, ça doit être Spaghetti qui revient. Non, c'est Nahariko ou Fatima. C'est un NPC. Ouais, je pense. Ouais. On l'a déjà défoncé en fait tout à l'heure, ce NPC. Bon, Nathan, il va falloir que je... Non, j'ai fini, normalement. J'ai fait vraiment tout ça, alors ça va prendre du temps. Ok. Après, il va repartir soit avec une autre équipe, soit... Ouais, tu m'as en passager, ok. Ouais, il y a NK qui repart et t'as... Je me rappelle plus. Ouais, je sais pas avec quoi je vais repartir. Il y a plus de place, en fait. Vous voulez continuer avec Jumptown? De toute façon, si on veut trouver des gens, il n'y a que deux endroits, c'est soit Jumptown, soit Carrière. Ouais. Ouais. Le mieux, c'est que tu vas à Jumptown, tu fais en sorte que les mecs prennent des cramstats et ensuite tu vas les attendre à Carrière. C'est vil. Mais c'est bon. Ah, c'est tellement bon. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent s'amuser à aller jusqu'à Hearthstone pour enlever les cramstats. Un quart d'heure. Tu peux les enlever à Hearthstone Alors, la grosse technique, si tu veux les enlever à Hearthstone, tu vas à Hearthstone avec un vaisseau, tu vas dans le garage, tu n'atterris pas surtout, tu sautes de ton cockpit sans mourir et tu te fais tuer par les gardes. Comme ça, non seulement tu perds ton cramstat, mais en plus t'es re-TP par Olizar. C'est énorme. Eh, c'est pas un gars chez nous ça. Défonce-le. Ouais, c'est parti, Freelancer. C'est pas un gars de chez nous. Le racisme spatial. Non, parce que si jamais tu vas à Hearthstone et que tu atterris et que tu te fais tuer par les gardes, tu rip-hop à Hearthstone, donc c'est un peu la misère. Faut bien faire gaffe de pas atterrir. Je prends le 600i, je vais venir m'amuser avec. Avec un 600i et un Starfarer. Puis qu'à ramener le Caterpillar putain, et on roule sur le long. Tu peux pas venir avec... Ah bah non, tu pourras pas le faire popper à Grimex, mec. Ah merde. Ah putain, trop bien. Il est pas si grand que ça, hein, le 600. Il fait quoi? Il fait 90 mètres, non? C'est surtout très large, c'est le problème. Ouais, c'est un gros morceau quand même. Ah non, je dis pas. Je m'en fous, j'allais chercher à... À Port-Lissard. À Port-Lissard. Pendant que tu vends... J'espère que quand il y aura la 3.5, ils vont changer la Widow parce que actuellement c'est le seul moyen de se faire attends, la tour. Peut-être tu veux y aller avec, parce que ça me prend assez bon pour. Parce que quand tu vois que pour te faire plus de thunes, il faut que tu aies un Caterpillar et que tu trades des médicales et des Steams. Ouais. Le bénéfice par rapport au risque est juste ridicule. Oh, moi je me suis fait éclater encore, c'est quoi ce délire hein. Tu te prends un bug, tu perds 1,4 million. Bah t'es en Avenger non? Non. Pas magique. Non, regarde. Hein. Non, regarde, je suis bugué. Mon vaisseau il tombe pas. Le débris il tombe pas. Et t'étais c'est où pas magique qui me dit. T'étais où J'étais en fight. Moi
Moi j'arrive vers Jump Town. Mais là je suis sûr de pas avoir tapé et ça m'a refait mal. Tout à l'heure j'ai cru que j'étais au ras du sol. Donc ça peut expliquer que j'ai tapé, tu vois. Mais là non, au ras du sol, j'ai bien regardé. J'ai tapé un certain nombre de fois en étant au ras du sol, ça m'a jamais détruit mon vaisseau. Hein. Sauf quand tu tapes fort. Voilà. T'as presque tout vendu, Morphicius. Malheureusement, non. Il me reste encore 16 unités à vendre. Donc ça fait... Si vous êtes deux à vendre, ça met deux fois plus de temps. Ouais. C'est une unité au nombre de... C'est 6, 8, 6, 6 par minute à Grimex, normalement. Plus vous en vendez, plus le délai augmente. Ouais, je pense que je vais m'arrêter à quand j'aurai vendu la moitié, et puis tant pis pour l'autre moitié, quoi. De toute façon, je suis déjà pété de thunes, je m'en bats les couilles. Pour l'instant, t'as pas grand-chose d'intéressant à acheter. Non, voilà. Non, c'est bon. À la limite, les armes, mais... Ouais. Mais mon vaisseau, il est déjà upgradé à ce niveau-là. Il est upgradé par défaut, parce que je l'ai acheté au marché gris, et du coup, il est CCU. Du coup, il est pas d'origine, en fait. Ouais. Ce qui me faisait marrer, c'était avant, avec les bugs, où tu pouvais mettre ce que tu veux sur ce que tu veux. Ah, ça. Comment est-ce que tu fais pour upgrader tes vaisseaux sinon? Quand tu les as achetés de manière normale? T'appuies sur F1 et t'as ton menu de vaisseau. Et tu peux changer. Non, mais de manière permanente. Tu peux pas. Pour l'instant, tu peux pas, mais tu pourras quand il y aura le monde persistant. Ou alors, tu dois pouvoir acheter des packs d'upgrade. Mais c'est pas disponible tout le temps, ces histoires-là. C'est que pendant l'anniversaire. Et puis il y a que certains vaisseaux qui l'ont, donc pour l'instant, c'est pas très intéressant. Eh oui. Non, parce que d'avoir comment est-ce que tu l'as eu à ton... Putain, il y a un... C'est quoi, ça? Bon. Du coup, je vais peut-être même...